joué, je suis utilisé à 5, bon, je vais peut-être rester sur la sorcière. Monsieur, vous êtes à présent online. Faites attention à ce que vous dites. Merci de me préciser ça. Voilà. Voilà, tu as très très bien fait. Ah, c'est quoi ça? Tableau de bord. Ouais, j'ai réussi à le foutre sur mon téléphone. J'ai testé le... Ah, putain. Mets-toi sur ton téléphone. Le stream gaming. C'est-à-dire? Là, j'ai streamé un jeu de téléphone. Ah oui, un portable de ton téléphone. Oui, 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 c'est faisable, oui. Carrément. Et c'est bien? Au début, j'ai un peu galéré. D'accord. Et moi, j'ai une option dans le lien pour ça, moi. Ah bah voilà, mais en fait, moi, je suis passé directement par l'option de Twitch. J'ai installé Streamlabs, j'ai installé Let's View, j'ai installé un bordel. Et en fait, j'avais juste besoin de faire autre chose, quoi. Ouais. Sinon, ouais, voilà. Mais sinon, non, la qualité est excellente. Ah bah ouais. Ah ouais, sur le téléphone, j'ai l'impression que c'est bien optimisé, puis comme ça demande pas trop de ressources. Bah par contre, tu streams écran de tel, quoi. C'est pour ça que ça demande pas trop de ressources. Quoi. Ah ouais? Ouais, tu streams pas en plein écran, quoi. Ah ouais? Bah ouais, bah va voir, va sur mon Twitch là, et regarde mon avant-dernière vidéo, regarde comment le truc est disposé, bah tu streams tout le long comme ça. Quoi. Donc c'est sûr. D'accord. Le gars, il est mal aux yeux, quoi, mais jusqu'à ce que le logo soit à peine visible. Bon, pense bien à mettre les sous-titres en français et tout, mais tu vas voir, la cinématique d'entrée, elle est quand même malgré tout en anglais. C'est un peu dommage, mais bon, c'est la bêta. C'est quoi ça? Active la dictée des éléments à l'écran. Ah non, mais ça t'oublie. Ça, c'est à chaque fois que tu vas passer sur un de tes menus, ça va te dire, si tu es au-dessus du son, ça va te dire sound. Si tu es au-dessus du contrast. C'est ça te lit, en fait. Ils puissent jouer, en fait, sauf que tu vois, ça va poser problème. C'est exactement ce que je me suis dit. Ouais, bon, il y en a, ça fait New Age. Synthèse vocale, option des voix, volume des dialogues, local. C'est quoi la synthèse vocale? La synthèse vocale, j'ai l'impression en fait que quand c'est... parce que c'est un jeu qui est multiplateforme, et j'ai l'impression que la synthèse vocale, ça transcrit en fait ce que les autres y disent. Tu vois? Parce que t'as une fenêtre de chat quand même. C'est un Diablo, mais c'est presque un Diablo MMO, quoi, ouais. Bah là, disons que c'est. Ouais, mais en fait, tu peux rien choisir. Enfin, toutes les options elles sont déjà touchées d'office. Oui, bon après moi le reste hein, j'ai laissé tel quel, hein. J'ai simplement mis les options en français là, et le transcription ça je l'ai pas mis ça. Bah, sous-titres des cinématiques activées, langue du texte français, et ouais. Langue de la voix, on peut pas choisir ça les voix. Ah tu mets que il y a que anglais de toute façon. Langue de la synthèse vocale, anglais, mise à l'échelle des polices, je connais qui sont un peu plus loin. Couverte de bonus par défaut, pas si t'as mal. Progression automatique de ça me semble pas mal. Écoute, on va tester. Ah, il est propre, hein. Il est vraiment joli, hein. Franchement. Ah, déjà un petit cinématique, quoi. Ça a pas l'air de dire, ouais. Ah ouais. En anglais les sous-titres. Non mais attends, ouais, ne fais pas la même erreur que moi, c'est normal, celle-ci c'est normal en fait.
que moi je suis revenu en arrière, donc je me suis retapé la porte. Et en fait, ça n'a rien changé. Mais après, c'est en français. C'est juste que c'est la bêta. Je pense qu'ils n'ont pas... Ouais, ils n'ont pas encore traduit. Enfin, ils n'ont même pas encore adapté à n'importe quelle langue qu'on demandait. C'est voilà. Quel... De toute façon, ils sortent quand? C'est quand leur rédaction? Bah, ils sortent au mois de juin. Hein. Ils sortent qu'au mois de juin? Et ouais. Hein. Oh, je croyais que c'était en début du mois, là. Je me suis dit qu'ils ont sorti la bêta. Ils vont sortir en 2-3 semaines, un mois max. Non, non. Malheureusement, non. Alors après, peut-être que tu peux monter, tu peux faire les deux premiers actes. Ouais. Après, tu peux squatter dans les actes éventuellement, et tu garderas ta sauvegarde quand tu commenceras le jeu. Oui, je pense que oui. Parce que si tu finis les deux actes, apparemment, tu débloques un pack, le pack du loup, je sais pas quoi. Donc pour ton jeu final, donc à mon avis, oui, tu dois... Ouais. Ah, mais ça serait bien de finir quand même, quoi. Quitte à après, tourner un peu de deux actes pour se stuffer au maximum, quoi, avec ce qui sera possible d'avoir. Ouais, à mon avis, il va falloir avoir tout le stuff disponible, tous les boss. Pas sûr. Apparemment, il y a quand même le boss mondial, hein, parce que t'as un boss mondial, Ishalda, là, ou je sais pas quoi, là. Donc, comme Zarka dans BDO. Toi, je sens que tu t'es pas trop pris la tête à faire ton personnage, toi. Ah bah je suis pas encore, je suis dans la cinématique, là. Ah oui, d'accord. Si je vais me faire un truc stylé, si je dois regarder, c'est pour ça que je te demandais d'ailleurs. Tu vois. Non, parce que moi j'ai fait le con, moi j'ai passé la cinématique, parce que j'ai vu que c'était en anglais, je me suis dit merde, j'ai oublié une option. Sauf qu'après, la cinématique, j'ai pas pu la revoir, donc... Mais bon, j'avais déjà vu sur YouTube. Ah, c'est dommage que la traduction, j'ai un peu de mal. Ouais, mais il est sur YouTube traduit. Après ça va, je sais pas. Tu vois, c'est sombre, hein. C'est très très sombre. Hein. Ah bah oui, je peux la voir. Ah bah oui, c'est celle-ci. D'accord, ok. T'es sur Twitch là? Ouais, je suis sur Twitch. Ouais. Ah ouais, il est celle-ci, ouais. Et ça va, t'as vu, c'est pas dégueu, là, le... Ah, c'est même très bien. Bon, ça va, c'est cool. Là, je suis en 1080, en 1080 standard. Hein. Pour streamer. Oh, puis j'ai l'impression que tout ce qui est Diablo et tout, comme c'est pas des mouvements violents de caméra, t'as pas trop besoin de... Oui, de focaliser de ouf. C'est ça. Même les configurations qu'ils demandent, franchement, c'est pas énorme. Enfin, je suis content parce que je me le prendrai aussi sur PC, tu vois, parce qu'ils demandent pas des configs de ouf. Ouais. Sur mon PC portable, j'ai largement ce qu'il faut. Il y a le crossplay ou pas? Ouais, il y a le crossplay, ouais. Ça, là, sur ma partie, là, c'est ce qu'ils m'ont mis. Où je venais à présent... Le mode crossplay possible de jouer avec différentes plateformes, donc ça c'est cool. Ah ouais, ça c'est parce que j'ai vu qu'il y a l'échange, et ça crois-moi que... L'échange? Bah j'ai vu là, l'item je suppose que c'est ça. Ah c'est case, possible. Il y avait une case là dans les jeux de encore, mais tu pouvais cocher échange. Bien sûr. Tu vois, tu dois pouvoir faire les... Ah, le coup dans la mâchoire qui m'a dit, ah, c'est grave. Ah, c'est... ah ouais, non, mais il est un peu gore. Ah ouais, j'y vois. Derrière, ça m'en marre. Je l'avais déjà vu. Il va y avoir Lilith qui va apparaître. Ah, si, mais si on l'avait déjà vu.
Ça fait un moment qu'elle est sortie celle-ci. Bah ouais, c'est pour ça, t'avais dû me la montrer. Comme tu vois, la qualité, c'est impressionnant quoi. Non, bizarre pour faire des cinématiques, il faudrait trop qu'ils fassent un film. Quand tu vois le studio, déjà la grosseur du studio, c'est énorme quoi, hein. C'est un putain de bâtiment, là-dedans je sais pas, ils sont peut-être au moins 200 ou 300, même peut-être plus quoi. De toute façon c'est des milliards, hein. c'est pas des millions là, qui tournent, c'est des milliards. Chercher les ténèbres. Il n'y a pas de connaissance ici, il n'y a que les ténèbres. C'est pas les mêmes styles de jeu quoi, disons que Necro. Necro est pas mal aussi. Necro, t'as un peu le support grâce à tes squelettes. Donc tu peux rester un peu à distance suivant les skills. C'est un choix. Le barbare, c'est beaucoup de corps à corps, je crois. Ah mais c'est que du corps à corps même. C'est que du corps à corps.
arrêté, quoi. Putain, je me date entre Barbare et Necro, même le druide, t'as pris quoi? Après, tu peux, t'es pas obligé, t'es pas cantonné à un seul personnage, hein, Kegar. Ouais, mais bon, si on en commence un, je vais pas en repartir à zéro, parce qu'il va pas me plaire au bout du niveau 5, tu vois. Ouais. C'est... Ah, moi, j'ai pris, ah, bah, ouais, tu sais, moi, je suis un gars de la sorcière, moi. Ouais, ouais, Moi, je suis un gars de la sorcière. Je sais pas, même le druide, je sais qu'il est pas mal avec les animaux. Ah, le druide, franchement, il est pas mal, hein. Il se transforme en ours et tout, là. Et... Ah, par contre, t'as vu comment il est habillé, là? On dirait un peu qu'il est habillé en Wendigo ou en pas. Ah, ben, mais c'est ça, c'est... En fait, si tu veux, le druide, dans les Diablos, ouais, c'est la même ethnie que les barbares. C'est des cousins, en fait, quoi. Ah, bah, c'est pour ça que les deux, ils sont aussi massifs. C'est Nécro, t'as regardé un peu dans le 4, elle est bien là. J'ai pas regardé, non. Mais il n'y a pas de raison, hein. Il n'y a pas de raison. Hein. Dans tous les Diablos, elle est bien, donc... Putain, je sais pas si je prends un barbare ou un Nécro. Pourquoi c'est que des meufs aussi? Non, mais tu peux choisir homme ou femme. Chaque classe. Putain, je sais pas quoi choisir là. Âge du berserker, vous pénalisez votre âge intérieur pour entrer dans l'état de berserker. Améliorer vos dégâts, votre vitesse. Utilisez des armes tranchantes afin de faire saigner vos adversaires. Arsenal ambulant. Vous devenez un arsenal ambulant, ce qui augmente vos dégâts et vous octroie différents bonus lorsque vous utilisez plusieurs armes. Rage effrénée. Vous représentez le summum. Vous représentez le summum de l'agressivité, ce qui vous oblige à dépenser plus de points de fureur. Activez vos compétences. En revanche, celles-ci sont beaucoup plus puissantes. Nécromancien. Armée de morts vivants. Vous invoquez une armée de serviteurs morts vivants composée de guerriers, de squelettes, de mages, de squelettes et d'un golem. Os, vous utilisez le pouvoir de la magie d'os. Accablez vos adversaires avec des attaques physiques. Les compétences d'os sont souvent plus puissantes lorsque vous disposez de grandes, je ne sais pas quoi, ténèbres. Vous usez vos adversaires en leur infligeant des dégâts sur la durée. Les compétences des ténèbres utilisent des éléments infligeant des effets de perte de contrôle à vos adversaires. Vampirisez la vie de vos adversaires grâce à vos sorts de sang qui vous octroie des bonus défensifs. C'est quoi, je vais tenter le nécro au pire pour changer. Carrément. C'est quoi ce vieux métalleux à la kiss là? C'est quoi ce... Elle fait un écro. Ah ouais, laisse tomber, on dirait The Crow, mais version Mad Max. The Crow, version apocalyptique. Joli bro. Vieux nécro à la kiss. Ah ouais, franchement. Merde, fais-le tirer la langue, je te promets, on dirait que... Putain, choisissez une info personnalisée là. Faire un écro rejoint, tu crois? Un écro avec la beubare. Ouais, non, mais par contre, ce qui est bien, c'est que t'as pas mal de choix. D'habitude, t'étais cantonné vraiment à un sexe en particulier, que là, tu peux vraiment choisir homme ou femme pour chaque classe. Ça, c'est très bien, ça. C'est donc une sorte d'être d'équilibration. Je sais pas si je fais le gars comme ça, là, ou celui-là, là, avec la beubare. Ah ouais, là. Il est de nature animale. Couleur de peau. Mais il n'en a pas la possibilité. Ne possédant pas l'instrument nécessaire à la prise d'action. Couleur des yeux, je afin que cette formation puisse se nourrir, le clair, se trouve en d'autres endroits. Il n'y a que ça pour le moment. De quoi? Je dis, on peut pas choisir beaucoup de choses pour le moment. Ah ben, après tu choisis les cheveux, tu choisis les tatouages quand même, la pilosité du facial. Il la transmet à l'ensemble du tube qui est sur. Ah, c'est mieux quand même que dans les anciens Diablos. Ah.
Après, il faut pas oublier que ton perso, tu vas tout le temps le voir quand même d'assez loin. Donc, chaud aussi. J'aime bien. Ah, ça fait trop bizarre là, des barres de rousse. Reflet cuivré. Écoute, il en faut pour tous les goûts, les gars. Tout à fait. Il est bien, mais tu peux les changer. Il y en a qui sont aussi sur la tête quand tu les changes. Tu peux changer la couleur aussi, tu peux mettre couleur un peu de sang. Ah, ça fait très gothique, hein, franchement. Ah ben le nécro, mais c'est ça, Céline. Que gars, c'est vraiment le... C'est dark, quoi. Hein. Les nécromanciens, c'est vraiment quelqu'un qui... qui évolue avec la mort, quoi. Hein. Ah, c'est vampire, quoi. C'est le mode vampire. Ouais, en quelque sorte. Un goth-goth. Un goth-goth. Godzilla. Hop. Tac, tac. Les bijoux. Je vais voir les bijoux. 15. Ah, j'ai trouvé des larmes de pendu. Voilà. Super. Ouais, tu vois, j'aurais franchement préféré faire un nécromancien, mais de style vaudou en plus. Ben, mais tu peux si tu prends le noir, l'ethnie noire, tu verras, il y a moyen. C'est pas faux. Avec les dreads là, il y a une coiffe un peu dread, mais. Oh putain, j'ai trouvé du stuff bleu là. J'ai réussi à trouver du stuff jaune aussi pour le moment. Ah ouais, donc c'est vraiment moyen quand même de déjà trouver des trucs sympas. Ah, bien sûr. Avec des écritures un peu de l'époque de la Bible, c'est satanique en bas à gauche sur le corps, au niveau du foie, lui là, sur la droite. C'est glauque tout ça. Ah bah on est dans Diablo, hein. Aussi. Ouais, je sais, tu me dis. Ouais, mais avec ouais. Petit goal, il faudrait que tu me remettes déjà à refaire peut-être pas tous les Resident Evil, mais au moins à refaire l'histoire. Parce que je me rappelle plus à rien. Les détails, ouais. En même temps, j'en ai pas fait 50 hein, des Resident Evil. Ah. Ça
sais, ça commence. J'ai looté une couronne. Moi j'aime bien celui qui ressemble un peu à un logo franc-maçon quand tu le choisis. Bah ouais, mais il est associé à un truc satanique, non? C'est pas ça? Non. Je vois pas le. Je vois pas duquel tu parles. Bah, quand tu switches, il ressemble un petit peu, tu sais, on dirait un peu un compas. Attends. Je l'ai décidé, gentiment, je vais te dire lequel numéro c'est. C'est moi que j'ai pris. Mais après, ouais, on n'a peut-être pas les mêmes, tu me diras. Je commence sur la page 1, là. 1, 2, 6, il y en a 4. Vu qu'il y a un décalage quand même, je ne sais pas si on va arriver. Est-ce que dans la page 1, 2, 6, là, celui qui arrive bientôt. Ah ouais, non, on n'a pas eu les mêmes, les gars. On n'a pas les mêmes. Ouais. Celui-là, s'il n'est pas satanique par hasard. À partir d'un animal relativement peu évolué, nous avons vu que l'unité occulte se vérifie. Abordons maintenant une classe d'animaux un peu sur... Avec l'étoile, le pentagramme, temps, carrément au milieu de la tête. Attends, tu vas voir. Regarde celui-là, quoi. En observant les poissons d'un aquarium, le pentagramme, la tête au milieu du pentagramme avec tous les symboles francs-maçons, un sur la tête, un dans le dos. Mais c'est ça qu'il faut. Ah ouais, mais là, tu peux pas ça sur le corps, on doit te tatouer dans la peau et tout, je peux même pas imaginer les dégâts. Quoi. Que gaffe. Ah ouais. Mais c'est pour ça, tout ça, c'est des cercles de magie noire, ça. Je sais que je suis un nécro, mais quand même, quoi. Ah bah écoute, que gars. Je réveille les gentils morts, tu vois. C'est, voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Voilà. Ah mais je vais foutre un truc basique, je vais pas me casser la tête. Des herbes, des champignons, des organes, et ce n'est pas destiné à la cuisine. Voilà. Sympa. Pourquoi on fait dans la cuisine qu'on fait ça? Exactement. Cicatrice, tatouage à l'encre, aîné, peinture orange, blanc éclatant, banal, violet, peinture, peinture, chiant. Cicatrice. Non, pas de cicatrice. Oh, affiché armure. Ah, ben voilà. Oh, ouais, mais c'est comme cette armure que j'aurais jamais. Oh, l'armure d'os.
emporter un vrai réglage. Quitter la personnalisation annulera tous ces changements. On fait chier, putain. Ouais, mais après, c'est facile à refaire. C'est bien la première fois que tu mets aussi longtemps à faire un perso sur un Diablo, toi. Bah oui, j'avoue. D'habitude, sélection 1, cheveux 1. Mais c'est que là, ça va. Je sais pas, je trouve qu'il y a plus de détails, on voit mieux. Ah ouais, non, mais t'as raison. Ouais, c'est un peu mieux. Ah là, c'est un peu comme dans VDO, tu vois bien ton perso, tu prends le temps de faire. Un peu c'est ça. Sûr. Ah, c'est pareil, j'ai fait une Renoir, une sorcière Renoir. Sauf qu'ils ont trop assuré avec cette ethnie dans Diablo. Là. Ouais. Ouais, je sais pas si. Si c'est mieux de lui faire une coiffure un peu à la Keanu Reeves. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, que c'est les cheveux longs un peu là. Ouais, comme ça là. Ou si je lui fais des dreads, ou si je le laisse chaud. Oh, mais c'est toi qui veux, hein. Ouais, regarde, là, ça, c'est qui nous rive, ça. C'est pas ça, bof, ça. Et après, par contre, t'as... Je vais lui mettre la beubare et tout. Moi, j'aime bien, avec la petite queue de cheval, tu sais, rasée. Ouais, à la samouraï, un peu, comme les samouraïs. Ouais, rasé, c'est très haut et une petite queue de cheval, j'aime bien, je trouve que ça fait, c'est sympa. Que dans Diablo 2, tu sais, dans la première grotte là, les petits diablotins, ils ont assuré. C'est un petit clin d'œil, je pense. Ah, c'est possible. Bon, tu l'as aussi dans Diablo 3. Ouais. Non, mais c'est, tu vois, c'est bien parce qu'il y a plein de petits détails, tu vois. Quand tu tapes sur les arbres, bon, c'est un truc con, hein, mais quand tu tapes sur les arbres, ça les fait bouger. Ça apporte un peu de voilà, ça apporte un peu de dynamisme. C'est un truc tout con, mais je trouve que c'est sympa. Ouais, c'est plus immersif. Ça rajoute un petit peu plus d'immersion. C'est ça. Pourquoi j'arrive pas à choisir ma coiffure là ? Je sais pas laquelle prendre. Putain. Bah, tu m'échauffes comme ça, au moins il n'y a pas de. C'est ce que j'ai bien envie de faire. Ouais. Faites à Paris, le 25 mai 1924. Nous avons parlé de la vie qui s'écoule entre la mort et une nouvelle naissance. Et nous avons vu, à ce sujet, comment l'homme se comme moi, je après la mort bien. Dans un monde extraterrestre. Le monde extraterrestre nous apparaît ici-bas, à travers ces signes, car les étoiles... Ah oui, c'est Longinarius, voilà. Celui qui s'est accouplé avec Lilith et qui a créé les enfants de sanctuaire, en fait, les habitants de les humains, en fait, en gros, c'est ça quoi. Les humains du monde. C'est pour ça que si on était du monde de Diablo, en fait, on serait le fruit de l'accouplement d'un ange et d'un démon. Tu sais que
c'est un peu caché, mais à la base, Adam, sa première femme, c'était pas Ève, c'était Lilith. Ah ouais? Au passage. Voilà. Lilith, c'est la première créature que Dieu a créée, qui s'est mariée avec Adam, et vu qu'elle était un peu perverse, un peu, tu vois, Dieu il a dit non, toi tu dégages, et on va mettre Ève à la place. C'est l'histoire. Mais apparemment, c'est un peu déjà le cas, quoi. Elle était un peu perverse. Un petit peu débile. Oh oui. Regarde, tu trouves pas qu'il me ressemble avec des kilos en moins? Beaucoup de kilos en moins. C'est vrai. Là, c'est un peu un sac d'os, le dénombre. Écoute. On va mettre comme ça, c'est quand je travaille dans les vignes, je suis bronzé comme ça. Voilà, à peu près. Ouais. À peu près. À peu près, non, parce que là, ça faisait malade. Là. Attends, regarde, là, comme ça. Là. Pourquoi? Si, je crois que. Putain, c'est pas la même couleur sur ma télé, sur le stream. Putain. Donc c'est bleu vraiment qui sortent, quoi. Truc qui éclaire dans la nuit, quoi. C'est des yeux, c'est des LED en fait, quoi. Ah bah nécro turquoise, ouais, c'est un peu le même délire, quoi. Ou en rouge, j'ai l'impression. Ou en bleu, ouais, turquoise. Ouais. Alors, on va lui mettre. Ça fait trop le gars malade, ça. T'as peur, quoi. Tu n'as pas envie d'aller à l'hôpital lui donner des médicaments. Par contre, l'inventaire, ça fait chier. Ah ouais, c'est vrai que c'est ça. Disons qu'au début, tu sais, tu ramasses un peu tout, donc. Oui, c'est la base. Mais bon, on va essayer de moins ramasser, de trier. C'est ce qu'on appelle la bise mortuaire. Voilà, exactement. Chaque nécromancien a ça en fait, quoi. Mais ça sert à quoi en fait? À rien. C'est juste le sang vraiment qui se charge dans tes lèvres à force d'être stupéfait par tes pouvoirs. Ah tu vois, je viens de sauver une meuf là, impeccable. On se met en mode extrême, c'est ça? Ah non, surtout pas. Non mais c'est cool, c'est ce que t'as des événements en fait sur la map. Et que là c'est une caravane en fait qui est un peu qui est un petit peu Donc la
assiégé par des démons et tu dois l'aider en fait. Tout est pas bien en extrême, on est d'accord. Ah non, non, non. Donc pour une première partie, non, on va essayer de... Alors, pour ta troisième série, là, t'as mis préférence du didacticiel, plus d'aide ou moins d'aide? Oh, j'ai mis plus d'aide pour la première. Comme il y a pas mal de nouveaux trucs, mais bon, au final, franchement, ça, j'ai pas l'impression que ça change grand-chose pour le début. Puis il n'y a pas beaucoup plus d'aide que dans les autres. Aventure ou expertise? Attends, les gars, c'est que là, je suis un peu concentré, là. De quoi? De quoi? Aventure ou expertise? Ouais, ouais, quand t'as choisi la difficulté. Bah, aventure. Jeu, ah ouais, t'as pris aventure? Bah, de toute façon, expertise, c'est comme si tu le prenais avec un niveau de plus. Donc, c'est toi qui vois, mais dès le début, si t'as envie de prendre cher... C'est que ça donnait 20% d'XP en plus, 15% d'or en plus, tu vois, c'est pour ça. Ouais, ouais, mais bon, fais comme tu veux, mais moi j'ai pas pris ça. Que, bah, pas l'autre, après, dans un, ça sert à rien de monter trop vite, les gars, hein. C'est une bêta. C'est pas monter trop vite, c'est avoir le maximum d'objets possible avant que la bêta soit plus accessible, surtout. Ils ont tout ça, niveau 1 à 50. Déjà, ça va. J'espère qu'on va pas monter niveau 50 trop rapidement. Ce serait bien. Ce serait bien. Enfin, après, bah, c'est pour ça, les gars, que ça sert à rien de prendre le truc qui booste d'XP. Il faut monter niveau 50, tu vois, pour pouvoir vadrouiller dans les deux niveaux après tranquille et stuffer. Faire un razzia sur le stuff. Mais bon. Faut voir comment c'est goupillé. Sanctuary was never meant for humankind. Sanctuaire n'a pas été créé pour l'humanité. It was forged as a refuge from the war between the high heavens and the burning earth. Instead, it became a new battleground in this eternal conflict. Alors, a secret group. Eh oui, il faut tester ça. J'espère que ça va. Ah, moi j'espère quand même que ça va se rapprocher du 3. Parce que le 3 dans le concert. Oh non, mais tu vas voir, il est bien. Il est bien. Ouais. Pour le moment, moi j'accroche vraiment bien. Ouais, pour le moment, t'es traîné derrière le chariot, t'es accroché. Non, 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 ça y est, je l'ai sauvé la meuf. Mais bon, c'est tendu hein, quand même. Hein. Et même le premier boss, mine de rien, parce qu'au début t'as pas trop de compétences d'esquive, de trucs comme ça, je peux dire que le premier boss il m'a pas tué, mais il y a du défi, et tant mieux. Ah, c'est pas ça, je remonte le stress un peu. Putain, t'as vu tout gars, je suis remonté en follower. Ah ouais? Ah ouais, je suis arrivé à 457 000 abonnés quoi. Je suis riche. Hein, j'en ai 8. Je suis remonté à 8. Que gars. Et ouais, bah la Valérie, là, elle a pas arrêté de s'abonner avec tous les comptes qu'elle a trouvé aussi. Alors écoute, je sais pas qui c'est cette meuf. Ah ouais. Bah ouais. Ah ouais. Ah bah ouais. Il y a même un que gars qui m'a dit quand je streamais avant-hier. Ouais, baisse le son parce que ça pète les oreilles. Et ça me m'a dit bah ça va, sinon la forme. D'accord. Bon, la seule gueule que j'ai. Ouais, c'est pas pratique. C'est bien qu'ils aient incrusté mon perso dans la cinématique. T'as vu? Nouveau soleil. Regarde la tête que ça me fait. Vraiment que je suis malade. Franchement. Regarde, la gueule. Mais c'est propre, hein, sinon. Ah, sinon c'est propre, carrément. Et la prochaine fois, je ferai pas la danse. Oh, ça fait mon champion qui me fait un truc. Ah, sur la société, je suis un peu plus. Je fais plein de sel avec ces trucs. Putain, la torche aussi, t'as vu? Ouais. C'est vraiment. Ah, c'est pas mal. Bon, il casse les couilles, quoi, en mode champion. Je vais avoir tout oublié du jeu, il est sorti. Ah, ça serait cool qu'il nous fasse un truc du style. Mais non, allez, on va sortir un mois avant. Mais bon. Non, mais ce que je voulais faire en plus, c'était le prendre en même temps que la PS5. Tu vois, tout ça, je peux l'acheter neuf, payer en 4 fois, ça amortira. Je peux payer 80 balles, je pourrais pas parce qu'il va sortir. J'ai acheté 80 euros en jeu.
compte, ouais. Bah ouais, les versions standard, 80 euros. Ouais. Comme il y a le cross-platform, je me demande si je le prendrais pas sur PC, mais au début. Bah oui, au début, ouais. Si tu dois y jouer sur un peu comme elle s'est passée. Enfin, après, faut que tu maîtrises le PC aussi, quoi. Je te dis au pire, mais voilà. Si tu non, mais tu peux brancher aussi la manette, hein. Ah, mais s'il y a moyen de jouer avec la manette, carrément. Ouais. C'est qu'il est moins cher, peut-être, sur PC. Ah ouais, carrément, ouais. C'est des sites qui le vendent moins cher. Sur PC, t'économises jusqu'à 30, à la sortie, jusqu'à 30%, même peut-être plus des fois, hein. Donc c'est pas rien. Mais bon, de toute façon, souvent les jeux, quand ils sortent, même sur PS5, sur PS4, le jour de la sortie, voire la veille, faut que t'ailles voir à Auchan. Généralement à Auchan, un jeu qui vend 80€, 79€, le jour de la sortie, ils le vendent à 60. Pourquoi ? Je peux pas comprendre. Bah si, ils font pas trop de marge, un peu moins, mais les gens, comme ils le savent, ils achètent. Frénétiquement. Comme des piranhas sur un bout de viande. Exactement. Je vais voir début du mois, je vais essayer de voir si je peux pas m'acheter la PS5 au pire, et peut-être que du coup je me trouve pas mal. Bah c'est pour ça ce que tu m'as dit. Je vais essayer de voir, je veux le pack de manettes, moi c'est 600€ au lieu de 550, je crois. Et t'as deux manettes dedans, quoi. Puis moi payant 4 fois, c'est rajouter 50 balles, ça va me faire 12,50€ en plus par mois, ça va rien changer. Et de ces manettes, crois-moi que j'en ai tiré des leçons, ces conneries de manettes là, avec la 4 là, entre le Eli qui m'a baisé ma manette, moi qui suis obligé de prendre les tiennes, avoir acheté je sais pas combien de manettes sur la 3 aussi quand je l'avais, là c'est bon. De toute façon, j'ai toujours pris les packs de manettes, tu vois, justement. Déjà au cas où quelqu'un vienne ou quoi, quand j'avais mon appart, pour que les gens jouent avec moi. Mais aussi pour, ben voilà, quand j'en pète une, tu vois, une deuxième de secours. Oui. Ah ouais, ça c'est essentiel, ça. Et du coup, je voulais prendre un petit jeu avec, mais je m'étais dit, pourquoi pas Diablo 4 s'il sort en même temps que du mois. Mais au final... Ah, c'est stylé, t'as l'impression en fait, à un moment donné t'arrives dans une ville, ouais. Et en fait c'est un peu comme le dernier acte de Diablo 2, t'arrives au mont Ariath là. Bah, là c'est un peu pareil, tu vois, tu traverses un grand pont comme ça au-dessus d'une falaise, c'est pas mal. Ah ouais, c'est carrément une ville, quoi. Ah bon, alors attends, invité dans le groupe. Ah mais pour le moment ils mettent que c'est pas disponible. Ah c'est parce que j'ai pas commencé. C'est Blizzard hein, qui fait ça. Ouais. Dès le début, ça met dans le ton. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Tu vois, je t'en parle pas plus, je vais pas te spoiler. Ça... Mais dès le début, ça te met dans le ton. Tu te dis, ah ouais. Ok. Ouais, ok, ok. On va voir ça tout de suite. C'est pas par rapport à la difficulté, c'est surtout par rapport à l'histoire. C'est très bien. Lorsque nous considérons la vie de la Terre jusqu'à l'événement de Kuta, par la présence de l'entité
Hilarious. Bah écoute, on va commencer alors. Hein. Oui. C'est utiliser la touche pour ouvrir la discussion. Comme ça. Bah ouais, c'est ça le problème. Ça a toujours été comme ça, ça devrait pas. Putain, les bâtards, t'as vu? Ils ont fait 33, le niveau le plus haut, au niveau des compétences. Ah ouais? Bah ouais, 33, c'est quoi? C'est le plus haut degré de la franc-maçonnerie. Le 33e niveau. Et 33, bah, c'est 66 divisé par 2, quoi. 33 et 33, c'est 66. Quand les gens ils utilisent le 33, c'est tout le temps dans cette symbolique-là. Dans Diablo, ça m'étonnerait pas qu'ils utilisent des trucs diaboliques, tu vois. Mais bon, arbre des compétences pour le parangon, et aussi du parangon là-dedans. Putain, je crois qu'après, ouais, on va aussi me remettre sur le 3, je vais faire une saison 1, parce que j'ai bien envie de kiffer sur le 3. Sur ma quête. Ah, mais t'as vu que t'as plusieurs inventaires. T'as l'inventaire équipement, l'inventaire consommable, l'inventaire quête, et l'inventaire aspect. Ouais, j'ai vu, ouais. Ouais, ça m'a fait un peu plus de place quand même. Un peu plus, ouais. Un peu plus. Ouais, un peu plus. Sur la montagne, collection, c'est quoi ça? Au fait, vous n'avez encore accompli aucun au fait social. Console, judge. Il y a un autre gars qui joue aussi sur la scène. Tiens, crée un clan, invite-moi dans ton clan. Tu vois ça dans quoi là? Alors, bah attends, moi je vais t'inviter plutôt. C'est dans. Ah, mais liste de contacts. Non. Dans... Ah si, je te vois. Pavé, ouais. Social, c'est pavé tactile, social, R2, plein de fois. Clan, ajouter un contact. C'est quoi ça que tu m'as. C'est quoi ça, cette invitation chelou? C'est moi. Je suis pas sûr que tu puisses me rejoindre encore. T'as mon battle tag. Vous allez rentrer dans le monde de la personne du groupe. Ah, ça m'a déco. Ah ouais, t'es dans mon. Ah bah j'avais pas commencé encore à rien faire. Ah ouais. Bah sors alors, sors les gars, sors. La progression de votre groupe dans la campagne ne correspond pas à je sais pas quoi. Ouais. D'accord. Comment je fais pour sortir? T'as fait comment? J'ai fait. Pour créer une autre map, quoi, tu vois. Tu fais quitter le groupe, tout simplement. Quitter le groupe. Et c'est où ça? Quitter le groupe. Attends, je vais le quitter, là. Voilà. Expulse-moi du groupe. Voilà, bah non, c'est bon. Dans le groupe, vous avez été promu responsable du groupe. Ah ouais, bah, tu fais là où il y avait les clans et tout le tintouin et tu fais quitter le groupe. Je sais pas ça. Ah si, t'appuies sur ton pavé, tu vas dans social. Ouais. Et là, il y a un moment, c'est ça qui clignote. Sur le carré, bah c'est parce que t'es plus dans le groupe. D'accord. Votre battle tag. C'est quoi ton battle tag, Kugab? Bah c'est Fut 51. Ouais, mais y a pas de dièse quelque chose? Peut-être, mais je l'ai pas en tête là. Bah tu regardes dans pareil là où t'étais social, tu vas sur R2 jusqu'au clan au bout et t'appuies sur triangle. Normalement ça va te le dire. Grâce à ce qui s'allume devant notre regard, par la vision rétrospective.
jusqu'au clan. Ouais. Membre. Donc créer un clan ou rejoindre un clan. Voilà. Dans membre du clan, normalement, tu appuies sur ajouter un contact triangle et ça va te marquer ton battle tag. Comme tu vois à l'écran là. Moi j'ai juste créé ou rejoint un clan. Tu peux pas ajouter un contact. Non. Merde. Regarde, moi, ce que ça fait. Ah si, j'ai ajouté un contact, mais moi il est déjà dedans. Ah ouais, quand t'appuies sur triangle, ça fait quoi? Ah si, mon battle tag c'est fluide 51, hashtag 2461. 2461. J'en ai, ça c'est des potes. Bah dans le ça c'est des. Ouais, c'est des potes. Ça c'est. Non, mais t'as dû jouer à des jeux Blizzard. Ouais. Bah voilà. Parce que moi, Greg T là et B2MC, c'est des amis que je me suis fait sur le Diablo Immortal. Sur le portable. Peut-être sur Hearthstone, éventuellement de Blizzard. Ah ben sûrement ouais. Et quoi toi ton battle tag, gars? C'est 2647. Simplement de... Ah oui. Au seuil de dièse 2647. Et avec une majuscule? Ouais, et sans accent. Sur la console, chuchoter, t'inviter dans le groupe, demander à rejoindre le groupe, t'ajouter aux favoris, supprimer le contact. Tu vois, demander un échange. Cette personne est trop loin. Mais là, on pourrait échanger. Maintenant qu'on est collègues. Ah, d'accord. Tu vois, t'as changé mon slip, mes chaussettes. Voilà. Et moi, je te changerai des coups de savate. C'est un bon échange. c'est un bon truc. C'est pas très sympa, que gars. Franchement, entre amis. Merde. Trouver un clan parmi les forces du sanctuaire, consulter les invitations, faudra qu'on crée un clan. Attends, je vais créer un. Crée-le, non, toi, crée-le comme t'avais fait dans BDO. Ouais. Comme ça. Et casse-couille, toi. Ah, bah écoute, on s'impose. On arrive, on sera dans les premiers clans créés, que gars, comme ça. Alors. Supramental. Bah ouais, ça va, attends. Hommage à Bernard, respect. Enfin, je pense que c'est comme ça. Un caractère minimum. Tag de clan. Lilith. Ah, bah le nom du clan de base, moi ça me propose élu de Lilith. Ah, ouais? Ouais, sympa, hein. Sans baiser, franchement. Élu de Lilith. Mots-clés, informés, extrêmes, langue, ouais, tu mets français. Français ou anglais. Français ça va restreindre et on va pas être aimé. Anglais on risque pas d'avoir beaucoup de français. Comme tu le sens. Ouais. Tu vois, c'est dans la langue du clan quoi. Je sais pas ce qu'il dit. Sinon mais français te casse pas la tête. Mais bon, les anglais du coup, ouais, c'est ça. Tag de clan, une fois le clan créé, vous ne pourrez pas changer ni son nom ni son tag. Je sais pas ce qu'ils appellent le tag. Par exemple, L. Élu de Lilith, le E de Élu, le L de Lilith. Donc
Ou ce sera S super sur, supramental, SP, SPMC, ou SPMD, ou SPMTL, ou STL. SML, SML. SML. Supramental, ouais. SML, ouais. SML, ouais. Au pire, ouais. Voilà, ouais. Tout en majuscule. Ouais, ouais, SML, ouais, carrément. Et supramental, supramental, bah. Ouais, regarde, t'inquiète, j'ai fait ce qu'il faut. Voilà, tu vois au feeling si ça fait. Si ça fait bien, moins bien, pas bien, trop bien, pas assez. Voilà. Ça qu'il faut. Putain, j'ai le nez bouché. J'aime voir responsable du clan Flip 51. Que gars, c'est une histoire d'argent par contre. Tu ça de la place que. Hop. Parce que business is business, tu vois. Hop. Bon. Et donc, j'ai un salaire. Invite-moi dans le club. Mais par contre, demande d'adhésion. Non, c'est moi qui dois rejoindre un clan peut-être. Ah oui, voilà, ouais. Recherche des clans. Alors, attends. Ah ouais, non, invitation et demande. Tu pourrais m'inviter, normalement. Ce serait peut-être plus simple. Supramental. Alors, attends. Ouais, c'est bon. Faut voir si on le retrouve, le clan de Supramental. Ah ouais, anglais, supramental. Que gars, c'est quoi cette corde de bouc, notre blason là? Ah écoute, pour le moment j'ai rien changé. Ok. J'ai laissé tel quel. Et... ouais, de toute façon, je t'ai envoyé une invitation, que gars. Ouais, on nous trouve. On nous trouve. Alors comment j'accepte l'invitation là? Parce que c'est. Ah merde. Ah, accepter, signaler le clan. Ah bah non. Non, non, on veut éviter de le signaler. Hein. Tout de suite en tout cas. Ça va, le clan signalé. T'es responsable, moi je suis. Non, non, moi je. Putain, tu me pètes les oreilles là. Mets-moi. Sensei du responsable, je veux pas être recru. Je veux être le sensei du responsable. D'accord. Ouais, mais je sais pas si on peut le changer ça. Ah, tu vas pas me laisser recru là, ce serait. Écoute, plus gars, t'as voulu que je le fasse. Bah ouais. Maintenant, tu vas tout détruire. Ah ouais, comme ça, tu te débrouilles. C'est toi qui gère le truc. Et c'est toi qui fais le. Qui fais la gérance. C'est toi qui invite les que gars. C'est toi qui les vire. C'est toi le responsable. D'accord. Mais ouais, non, tu peux pas me monter. Tu peux pas me changer mon rang, là, t'es sûr. Quand tu cliques dessus, ça te repose pas. Regardez. Tu regardes. Ça, alors. On va fumar un poco. Regarde. Ah. Et là, je t'ai mis au plus haut possible. Ah, ça, c'est cool. Voilà. Ça. Alors, s'il te plaît, ne casse pas les boules. Non, c'est bien. Là, du coup, j'ai le droit d'inviter des cugas, j'ai le droit de lancer des missions, j'ai le droit de tout faire. Je pense. C'est bien, ça veut dire que j'ai les pleins pouvoirs, mais c'est toi le responsable. Tu vois? C'est ça. Tu comprends. Donc ça veut dire attention, puisque là, si je fais des conneries, c'est pas moi qui mange. C'est toi le responsable. T'as vu, t'as même discussion audio, clan. Ça peut être pratique, ouais. Faudra tester si ça marche bien et tout. Mais ouais. Franchement, y a moyen. T'as tout l'historique en plus. C'est le clan, il a été créé tel jour. T'as invité tel que gars à telle heure, à tel jour. T'as vraiment une trace de tout. Ouais, puis tu peux vraiment tout changer. Ah ouais. Mais sauf le blason. Pour le moment, le blason, On a pas, je pense. Faut qu'on en gagne, ou qu'on en acquiert, ou qu'on en. Je sais pas comment. Peut-être en se battant contre d'autres que gars, en lui reprenant leur, ou tu vois, je sais pas. Non.
forgeron, on peut recycler. Ouais, on a mon avis de faire des trucs sympathiques. Je pense qu'il va falloir enrichir notre clan. Et trouver une zone, il y a peut-être c'est des zones un peu comme dans chaque MMO. Le clan, il occupe telle zone à tel moment. Comme ce qui est pas mal, c'est que toutes les 30 minutes, t'as un renouvellement en fait du stuff. Comment ça des marchands. Ah d'accord. C'est pas mal ça. Et ce qui est pas mal aussi, jusque quand tu te plantes au niveau de tes compétences, que tu dis merde, j'aurais peut-être pas dû mettre ça. Ouais. Jusqu'au niveau 15. Tu peux rembourser tes points de compétence gratuitement. Et au-delà, ça te coûtera un peu d'argent. D'accord. Ça, c'est vraiment top. Quoi. Va falloir vraiment explorer, à mon avis, parce qu'ils ont dû vraiment... Tu sais, vu qu'il y a eu des soucis avec le 3, ils ont dû vraiment essayer de rattraper... rattraper le tir avec celui-là, donc c'est sûrement moyen qu'ils aient mis des nouvelles fonctionnalités plutôt, j'ai envie de dire, attractives. Ouais. Et intéressantes. Non. Tout à fait. Oh, mais c'est sûr, même. Ah, bon. Voilà, c'est le potentiel. Ah non, mais là ils ont fait ça bien, franchement, les compétences, ils ont rajouté énormément de compétences, énormément de soutien de compétences, de trucs comme ça, et c'est vraiment pas mal. Et j'ai l'impression aussi que ta compétence de base, celle qui ne consomme pas de mana, t'as le choix entre 4 éléments. Tu vois, moi, c'est pas la sorcière, en tout cas, c'est comme ça. Parce qu'au début, tu vois, que t'as tout le temps, sur tous les dialogues, t'as un bouton d'attaque de base, tu vois. Et quand j'ai choisi ma première compétence, direct, ça l'a mis sur mon bouton d'attaque de base. Putain, je me suis dit, merde, si je veux reprendre du mana, comment ça va se passer? Et en fait, non, c'est que t'as 4 éléments, 4 compétences en fait d'attaque de base. Sur la sorcière en tout cas c'est comme ça. C'est des compétences qui ne consomment pas de mana, qui en génèrent en fait. C'est pas mal. C'est sympa, carrément. Par contre, je continue dans le truc du clan. Est-ce que t'as été voir dans paramètres du clan les autorisations? Mais toi t'es pas casse-couille toi avec ton clan. Ah ben écoute hein. Les autorisations, qu'est-ce que tu veux comme autorisation, mon petit? Les 10 jets de message du jour, tu le laisses sur officier. Traiter les demandes d'adhésion au clan, tu le laisses sur officier. Promouvoir, rétrograder, pareil. Exclure, pareil. Bannir et pardonner, ben, j'ai envie de dire pareil. Inviter de nouveaux membres, tu peux mettre peut-être la garde en dessous, qui est l'officier, mais peut-être aussi les cugars un peu plus bas. Quoi. Les membres, d'accord, ok. Vois, je pense, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, tu vois, mais pour inviter. C'est très bien. Voilà. Parler dans la discussion audio du clan. Est-ce qu'on laisse tout le monde parler ou pas? Mettre des membres en sourdine. Ça, c'est toi ou moi qui le faisons, je pense. Sûr. Ouais. Pour éviter les prises de tête, quoi. Ouais. Et parler dans la discussion audio du clan. Bah, tout le monde. Même les recrutés. C'est un peu con, les pauvres, s'ils peuvent pas. Parler, ouais. Ah, si, il y a même le blason. C'est que j'ai pas été assez loin en fait. Ok, bannissement, identifiant, liste des bannissements. Ah ouais, t'as même un historique des gars que t'auras banni, pour s'en rappeler. Le blason, moi par contre, tu vois, je peux pas le modifier. Je sais pas où t'as été, mais pour ça je peux pas. D'accord. Moi je peux. Bannir ou exclure, c'est quoi la différence? Exclure, ça doit être temporairement. Bannir, ça doit être à vie. Parce que bannir et pardonner. Donc tu peux bannir et ensuite les pardonner. C'est bannir quelqu'un, lui dire après, allez, si tu me suces au pire, tu peux revenir. Quoi, tu vois.
Ah ben alors c'est l'inverse alors, ouais. C'est l'inverse de ce que j'ai dit, ouais. Ah ouais, tu crois qu'exclure c'est définitif? Ouais, je pense, ouais. Rétrograder des membres, promouvoir des membres, ok. Il y a combien de niveaux de promotion? Alors, c'est une très bonne question, mon petit. J'espère qu'il y en a au moins 7, quoi. Je sais pas trop. Ouais, il va y en avoir 5. 4, 5. Ah ouais, mais attends, faut que je change de map aussi, c'est vrai, là, faut que je me trouve une nouvelle map. Là. Comment je suis parti? Retour au jeu, précommandé. Je peux pas quitter la partie là, recommencer. Ah merde, comment je fais pour... Putain, ça va casser les couilles si franchement je kiffe que je me mets dans le jeu et que bah putain on est obligé d'attendre au mois de juin quoi. Mais ah non, mais comment ça quitter la partie? Ah bah j'ai quitté là, ça va être trop tard. Ah bah non, t'es en truc d'attente là maintenant. Bah je sais pas. Bah peut-être. Mais pourquoi t'as fait ça? Bah parce que vu que j'étais dans la tienne, je pouvais plus faire l'émission, j'étais obligé d'en faire une nouvelle. Bah Tu m'as invité dans c'est ce que pas dit, tu... hein. Bah si, ça me l'avait dit au tout début. Même Ouais, toi mais tu au m'as tout dit, début, faut mais que je parte. une fois que tu quittes le groupe, t'es plus dans la partie de l'autre, gars. Ah bah si, je sors juste du groupe, je sors pas de la partie. Je suis pas sûr, hein, franchement. Je suis pas sûr du tout, là.
modification par fluide 51. Ah ouais, ça me dit qui c'est qui l'a modifié en plus. Impeccable. Ok, c'est bien. L'illumination. C'est la création, tu vois, ce plan-là est reconnu dans Diablo 4 à travers tous les continents, à travers tous les mondes. Les sorcières, les nécromanciens ont peur de nous, les barbares nous crieront et les druides seront nos amis. Au moins. Ouais, nous serons le clan super mental. C'est vraiment joli. Hein. Je suis pas encore dans la vie, je suis dans la neige, c'est assez sombre. Par contre, tu vois, on dirait qu'on a une luciole d'Atanis là autour de nous. C'est ouais. Juste éclairé sur la zone autour de toi, sur 3 mètres. Tu peux améliorer tes potions. D'accord. Tu vois, tu peux fabriquer des potions, tu vois, avec le truc de pendu et tout, là, les herbes que j'ai récupérées, je peux fabriquer une élixir barbelé dilué. Augmente l'armure de 50, les dégâts d'épines de 25 et l'expérience obtenue de 5% pendant 30 minutes. Ça, ça commence à être pas mal, ça. Ça, après, enfin, ça commence à être pas mal. Je sais pas. Mais bon, ça a l'air. J'en fabrique deux, hop, toc. Porte. Il faut interagir avec la porte. Non, t'as vu plan fluide 51 a accompli un refait. D'accord. Ouais. Pas mal ça. Ouais, franchement, c'est sympa ce qu'ils ont fait là. L'interaction entre les joueurs va être un peu mieux que dans les autres Diablo, je pense. Oh. N'achète rien, Kaya, pour le moment, n'achète rien. Ah ouais. Ah, ou alors, prends juste gaz, parce que ouais, tu vas voir, tu vas looter. Ouais, ouais, puis même pas, non, c'est du moins 14, du moins 4. Approvisionnement dans 10 minutes, fais voir vendre. Non, j'ai que dalle à vendre. J'ai jamais ramassé sur la route à part de là. Interagir. What's that? You say something? Ah, il y a des PNJ avec qui on peut parler là. Ouais. Tu peux parler avec tous les PNJ. But I should watch it a little longer to make sure it doesn't go out. If Devmir's taking up all the space by the fire, just Stanis.
cet endroit et parlez-moi du moine. Ouais. Non, non, mais après il te répond en français. Petite ville, rien de spécial, mais c'est chez vous. Ah bah c'est pas des cinématiques d'horizon, hein. Ah bah putain. Ah bah faites 3 mois quoi, ça y est, terminé. C'est un grimoire de démons. Puissance de l'objet 66. C'est un truc... c'est en fait la sorcière, t'as un bâton dans une main, une baguette dans une main et un crâne dans l'autre, ou alors tu peux avoir un bâton à deux mains. Et dans la bouche? Dans la bouche, j'ai pas vérifié, mais normalement tu rajoutes le troisième œil. Peggy 18 quoi. D'accord. C'est ça. C'est pas marqué, non. C'est marqué que tu régresses, par contre. Ça, c'est pas impossible, mais... Alors, attends. Ça fait chier, parce que là, c'était pas le but, quoi. Non. T'as le clan... Parce que moi, j'aimerais bien, si on a des gars dans le clan, voir un peu ce qu'ils font. C'est qu'ils font beaucoup d'échanges, voir s'il y en a qui exploitent des glitches, ou s'il y en a qui montent des niveaux super rapidement. Moi j'ai envoyé un message là. Tu l'as pas eu? Félicitations. Ouais. Ouais, c'est... Là c'est des messages préenregistrés, moi si je fais ça, là, tu le vois toi? Non, tu vois pas le message que j'ai mis? Non. Non mais moi je passe en fait par la fenêtre de chat quand tu sors du truc du clan là. Ouais. À droite, ouais bah. Ouais. Après si je fais ouvrir la discussion là j'écris manuellement. Et là bon voilà tu vas me voir parce que c'est comme dans vidéo, c'est le même message rapide. Clan. Ah ouais après tu fais local, clan ou fluide, ouais je peux t'envoyer un message à toi, au clan ou juste autour de moi. Je reste à plan si je fais ça. Ah, t'as le message. Quand tu dis le message, il s'affiche au-dessus de la tête, quoi. Ah ouais. Quand tu l'écris, hein. Là. Je t'ai envoyé que gars. Au-dessus de ma tête. Tu vois là ce que j'ai écrit, tu l'as reçu. Ouais, et quel gars je l'ai reçu. Ouais. Ok, j'ai capté comment ça marche. Après à droite, ça c'est du local direct. Ensuite, il y a encore juste spécial clan. Alors après, là les pointillés, je sais pas ce que c'est. Et après, le truc du fond, bah, c'est toutes les infos, c'est tout ce qui a été dit par ouais. Tous les PNJ, tous les trucs, tous les. Ouais. Je pense qu'après c'est peut-être les trois points, c'est peut-être quand t'es en multi, c'est avec d'autres gens dans ton groupe sûrement, je pense. Peut-être. Ah, oui, c'est possible. Quoique pas sûr ça, parce que ouais si on, ça c'est des trucs préenregistrés. Quand t'appuies sur la roue là, pour ouvrir la discussion, t'appuies sur en haut, appuies sur L1 ou R1, et tu peux mettre des trucs dans le menu circulaire ou utiliser ceux qui sont déjà là, quoi. À mon avis, ça aussi, c'est du raccourci. Suivez-moi, à l'aide, au revoir, acclamez, provocation. Oui. I'm sorry, it's a bit cramped. A warm hearth. Oh, you poor thing, traveling in this awful weather. Là, on est dans la taïga des 15 sur 11. Il y a des...
j'en ai trouvé un pour le moment, ouais. Dans la ville. T'inquiète, c'est normal au début. Ah, les charges de potions se tiennent sur les adversaires des objets. Sur les adversaires et les objets sont automatiquement si votre potion n'est pas à pleine capacité. T'as un point de compétence que gars hein, à dépenser. Hein. Ce serait où si je le dépensais ça? Faut que tu appuies sur Start. T'as le TP, t'as un portail de retour en ville. Ouais. D'accord. Comment on choisit la barre de compétence là en bas, la barre de pouvoir? La barre de pouvoir? Là où tu mets tes attaques, quoi. Tes raccourcis. C'est assigné compétence. Triangle. Quand t'es sur le machin. Mais celle de base, t'es obligé de le mettre sur X. Hein. Ah ouais? Ouais. Donc je pourrais quand même encore taper, mais... si je veux juste mettre des coups d'épée? Non, mais c'est ce que je te dis. Bah ouais. La première compétence que gars là, c'est tes attaques de base. T'inquiète pas pour ça. Donc là, c'est fini mes coups d'épée tout seul, quoi. Je peux plus en mettre. Non, voilà, maintenant ça tapera avec ces compétences-là. C'est mieux. Ah, j'aurais dû la mettre ailleurs, parce que du coup... Bah non, mais ça sera beaucoup plus puissant que tes trucs, que gueule. Ouais, mais c'est plus du corps à corps, je crois. Ah si, encore un peu de corps à corps, enfin, ouais. Ah, c'est qu'en fait, là, au lieu de mettre des coups, tu sais, ça met un coup et ça balarque des os. Voilà, c'est pour ça. Ah, ça y est, je croise des gens. Ah,
assez agréable de pouvoir y jouer. Parce que là, hier soir, j'y jouais un quart d'heure, mon gars, bim, ça, échec de connexion. Putain, j'étais obligé de me retaper 30 minutes d'attente. Ah ouais, non, là, ça va, c'est direct. Par contre, l'ANA qu'il y a, comment tu fais, tu sais, pour sélectionner ton deuxième équipement? Parce que là, j'ai envie de mettre une épée. Non. Sur mon perso, quoi. Mais je veux garder quand même la faux avec mon bouclier. Quoi? C'est ton deuxième équipement quand tu switches. Mais écoute, là j'ai pas encore. Ah ouais, y'en a peut-être. Je suis pas sûr qu'il y en ait un. Ah ouais, donc là faut choisir une arme, point quoi, tu peux pas en prendre deux. Enfin, ou alors t'en mets une dans chaque main, mais tu peux pas avoir deux. Putain, et mon gars, j'ai eu des bottes rares, oui. Couleur jaune. Ah, c'est une récompense de quête, ça, je pense. Il y a le même stuff que... Enfin, le même stuff, au moins les trucs bien qu'il y avait dans les autres. Ah oui. T'as les uniques, t'as les légendaires, t'as tout. Là, dans la bêta, on peut tomber sur le Vital Rachat, par exemple. Ah oui. Peut-être pas du tout à l'arrache, mais... De l'élite au moins. Oui. Bonjour. Ah, Valérie qui revient. Salut. Vous allez bien? Salut. Ça va être... Ah, par contre, je vais peut-être pas pouvoir écrire... directement en temps réel, mais... Ah, j'ai un mur invisible, là. Ah, ça commence. Vous avez eu beaucoup de problèmes de connexion? Bah ouais, grave. Mais c'est pas des problèmes trop, c'est plus du décalage. Tu rentres dans une église, mon gars. Ah ouais. Franchement, ah ouais, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Ils ont assuré. On va avoir la même série de quêtes là, vu qu'on n'a pas pris la même classe pour commencer. Mais bien sûr, c'est le prologue. Donc le prologue, il est pareil pour tout le monde. Ok, ça marche. Bah, à plus tard, Valérie. Merci d'être venu faire un petit coucou et bonne journée à toi. Thank you.
comme dans Diablo 3. C'est simplement si t'as un skin qui te plaît d'armure. Tu le manges et le fait de le manger, après tu peux mettre ce skin. Voilà, tu. Voilà. Exactement. Ok, ok. Ouais, ça c'est à mettre dans ton dans une de tes mains normalement. Bah ouais, moi j'ai un bouclier, une épée quoi. D'accord. Ça c'est un truc de sorcière ça là, normalement. Mais après peut-être que tu peux l'utiliser avec un écrou, hein, mais normalement c'est un truc de sorcière ça. Ouais, ça me rajoute plus 20 dégâts par seconde. Mais le problème c'est. Ah quand même. Ça rajoute 80% je pense des dégâts de ton arme. Non, faut que je le garde ce truc. Voilà, je vais le garder dans mon... Ah si, je me tape de temps en temps des petits murs invisibles. Mais bon, ça c'était obligé. Tellement de gens. J'ai pas compris ce que t'as dit. Je me tape des murs invisibles. Je me tape des bugs d'inventaire, j'arrive pas à déplacer les objets. Ah ouais, non, mais que gars, mais alors toi, mais laisse-les où ils sont tes objets, pourquoi tu veux les déplacer? Bah, parce que si j'aime pas qu'il y a des trous dans l'inventaire. Eh ben, tu fais réorganiser, t'appuies sur R3, je crois, ou L3. J'ai pas fait gaffe, non. C'est quoi tout ça là? C'est tous les matériaux que tu as. Oh non, c'est quoi tout ça là? Oh non. Je crois que je suis arrivé dans une instance là. Il y a des que gars avec toi? Ouais.
siphon des anciens. Interagir. Nous exigeons du sang. Oh oui. Allez, on va lui en donner du sang au siphon des anciens. Tac, allez, bim. Niveau 9. Petit pack là. Du pack comme on les aime sur Diablo. Un rat épique ardent, excellent. Un rat épique. Ce n'est pas du porc épique, c'est un rat épique. Oula, 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 oula. Ça c'est pas bon, c'est pas bon. Ouais, c'est qu'ils me ralentissent en fait, ces enfoirés là. Ah, putain, de quoi? Alors, tu es gueule? Ah ouais, j'ai mal au dos, putain.
tranche perpétuelle. Bah ouais, c'est ça le pire. Faut que je refasse. Faut que je refasse du sport, ça va pas. Je suis escarté, je suis ruiné, je suis rouillé. Oulou, joli boulot. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Tu crois qu'il y a des choses par ici? Je suis déjà venu par ici. C'est une blague. Bouclier de feu, mon gars, le bouclier il dure une seconde, quoi. Ça, c'est un bouclier de feu, ça. c'est une blague. C'est le bouclier de l'allumette, quoi. Écoute, Kéa, hein, tu débutes, tu es encore jeune. Dernière pendant deux place. Secondes. Tu vois. Déjà. Mais ils ont l'air costauds, parce que c'est vrai que j'ai pas grand chose à faire, je les laisse un peu faire le taf, tu vois. Bah c'est ça le micro, c'est ça qui est bien. Bah je pensais pas, tu sais, je sais plus, je crois dans Diablo 2, tu commences avec un squelette, ensuite un deuxième, ensuite machin, golem. Bah t'en as quatre dans celui-là. T'en as quatre directs, ça fait plaisir. Ah ça fait le café comme on dit. Sympa. Exactement. Stéphane, si tu passes par là, dédicace. Ah bah coucou. Stéphane. Et oui, gars, bienvenue dans le Diablo 4. Avec la nouvelle saison pour le Musa. Oui, 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 ils ont mis le Musa dans Diablo 4, je vous assure. Exactement. Que veux-tu ? C'est plutôt sympa. La revue d'actu du mercredi. Alors, dans la boutique de Berne, qu'est-ce que nous avons ? Voilà. Nous avons un béret de Talracha. Oui, le short de Diablo. Et... Le béret de Talracha. Le béret de Talracha. Que gars, tu peux pas test, je suis passé niveau 3. Je viens de battre. Enfin, joli béret de Talracha, toi. Ah, écoute, tu l'as vu là, ma félicitation, vous avez atteint le niveau 3, toujours pas. Attends. C'est bizarre. T'es pas dans le bon chat, je pense. Bah, je suis dans le chat. Général. Non, bah... Attends, c'est que je suis local. Je me mets en néo-soil peut-être. Ou en néo-soil ou en truc. Chuchotement. Tu mets le. Je me mets en clan. Ouais, bien. Tu te mets ou en clan ou en premier, non ? C'est pas le premier. Bah, le premier, ça ne met que sur local, donc. Ah oui, ouais, moi aussi, ouais. Ouais, faut se mettre ou le dernier ou le troisième. Ouais. Accomplir, refait, prologue, vagabondage, tu vois, je vois les trucs. Ouais, c'est pas mal, hein, parce que t'as des objectifs, des fois, là, ça fait 2-3 fois que je me bats avec des lascars pour faire des hordes de démons. Ah, c'est sympa. En tout cas, la map elle est grande. Hein. Ah, très bien. Il y a de quoi faire. C'est une bonne chose, monsieur. Éclatos à 30% de chance. Lancez 2 projectiles supplémentaires si vous avez au moins 50 points d'essence. Lancez 3 éclatos. C'est quoi vous faites? Donc après, choisis qu'une seule compétence qui te redonne de la mana, hein, que les autres soient un peu plus puissantes. Enfin, après, tu fais ce que tu veux, mais. Ouais, mais je vois ça. Après, l'idéal, c'est de descendre. Tu vois, t'as le premier arbre avec toutes les compétences où il y a marqué de base. Ouais. Et ensuite, t'as les autres compétences en dessous.
tu vois ce que je veux dire. Je vois, mais il y a des trucs que je ne peux pas... Ah si, ça, je peux pas l'activer ça. Donner le sang des adversaires. Vous lancez une lance de sang qui reste plantée. Votre forme spectrale charge vers l'avant en infligeant 21 points de dégâts avec sa faux, puis revient vers vous en infligeant 7 points. Que deux compétences à plus deux. Aussi pour chaque compétence. Ouais, carrément. Il y en a, ils sont pas mal quand même les bonus quoi. Ah bah je pense ouais, là déjà ce que j'ai vu sur celle-là, ça a l'air pas trop mal. Ouais. Après il faut à mon avis pas mal de points de compte pour tout prendre. Mais... De toute façon ouais, on pourra pas tout prendre, il va falloir optimiser je pense. Non, c'est 10 points de dégâts par seconde d'écrire un cadavre. Je pense que je vais prendre ça. C'est peut-être un bonus de ton... Ben non, c'est censé être une attaque assignée décomposition.
base, sûrement. J'en sais rien. Oui, c'est des compétences de base, mais bon. De base. Ouais, il faut que tu en débloques une de chaque. De chaque non, moi je peux. Moi je peux en mettre. Moi les compétences de base, je peux les mettre. Je peux les mettre un peu partout, hein, mais bon, je pense qu'au début. De toute façon, t'as un cadenas sur les autres, je crois. Les autres emplacements. En bas, tu veux dire? Ah ouais, non, ouais, oui, j'ai un cadenas. Bah voilà pourquoi, ouais. Pour le moment, tu peux pas. Ah ouais, c'est juste parce que c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois que ça sera débloqué, ça seront pas voilà. Les gars. Ouais, heureusement, alors c'est bon. Ouais, oui, je capte un peu là. Le délire au niveau des armes aussi. Là. Casque jaune là, rare. Ah, j'ai pas encore loupé. Pour le moment, j'ai les bottes, j'ai le casque en jaune. C'est bien ça, le bon. Il faut, c'est le minimum. Du loot, du loot. Ah, écoute. Donne-moi ton loot. Montre-moi ton petit loot là. Allez, allez, allez. C'est de la miséricorde parce que des fois t'as des petits donjons. Ça aussi c'est bien. Viens dans mon donjon. Montre-moi ton petit donjon. Le donjon. Oh putain, les donjons ils sont magnifiques. Là. Ah, ils ont vraiment fait un beau travail sur le. La qualité graphique. Ah ouais, franchement. Ouais. Non mais c'est bien, ils auraient dû faire ça déjà sur le 3. Parce que même si le 3 il est quand même agréable, il est quand même bien le 3, mais tu vois, cet aspect un peu dessin animé, cartoon, ça serait mieux avec cette patte graphique là, du 4, là, ou la patte graphique du 2, quoi. Une patte graphique un peu réaliste, quoi. Après, le 3 est sympa quand même. Bah, le 3, c'est, disons qu'ils ont bien harmonisé, c'est-à-dire que tout va bien, ils ont bien respecté le style, comme on dit, cartoon. Tout le jeu, c'est pas juste certains aspects, les autres, ils ont fait le jeu complet comme ça, donc c'est vrai que dans l'ensemble, ça va, ça passe. Mais bon, c'est sûr que ça... Il a 11 ans, le jeu. Il a 11 ans. Il est sorti en 2012, Diablo 3. T'imagines ?